de documents faits par des scientifiques qui, dans leur discipline, étaient incontestés. Même si le film date un peu, les éléments principaux sont là. Alors, j'aurais bien demandé à chacun des intervenants, en 2 minutes d'abord, quelles sont les images qui vous ont frappé le plus dans ce film, même si c'est son mauvaise qualité, voilà. Quels sont les passages, les séquences qui vont le plus marquer? On a là Francis Je Lane. peux vous laisser réfléchir. Moi, je vais vous dire en vitesse, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand même le comment on appelle l'abri pour emmagasiner les mémoires intellectuelles, filmiques et autres, et de l'histoire de l'humanité, qui montrent à quel point la connerie humaine peut aller, mais également à quel point un certain nombre de personnes ont été jusqu'à prévoir ce qui est absolument incroyable. Voilà. Moi, c'est cet aspect-là qui m'a marqué, moi, quand j'ai regardé la vision. Alors, je peux faire une remarque. Oui, vas-y, Francis. Bonjour, messieurs et mesdames. Je ne sais pas s'il en reste encore. En fait, ce n'est pas une image qui m'a marqué. C'est l'ensemble du film. Et avec mon expérience d'officier dans les armées, je les ai comparés inévitablement avec celle que j'ai reçue du fait de mon enseignement et de ma carrière militaire. Et j'imaginais que ces images aujourd'hui, pour le public, je suis absolument persuadé, parce que j'en discute pas mal avec des gens du public, pas forcément avec des scientifiques ou des professeurs, des médecins que je respecte et qui, eux, comprennent ce dont il s'agit, mais avec le public, ces images apparaîtraient comme absolument pas crédibles. Alors, pas absolument pas crédibles parce qu'elles ne sont pas scientifiques, mais absolument pas crédibles parce que ne correspondant pas dans l'esprit des gens, je peux vous assurer que c'est exactement ça, pour les discussions que j'en ai, à ce qui pourrait se passer. Parce que tout le monde, pratiquement tout le monde, imagine refoule le fait que ce soit possible, imagine que c'est impossible ou refoule le fait que ce soit possible. Actuellement, je suis en Espagne avec un groupe de personnes et je lui disais, je ne vais pas pouvoir être avec vous ce soir parce que je suis sur cette Christophe, tu intervention. enregistres? Et quand je lui ai expliqué ce que je faisais en deux Oui. mots, pas plus, il m'a répondu, mais tu sais, moi, Francis, les armes atomiques, je m'en fous. Alors bien sûr, il le fait d'un ton un peu provocateur, mais ça reflétait effectivement sa pensée. Voilà, donc le problème, c'est le problème de la communication au public, de la réalité de ce risque. Ça ne passe absolument pas. J'ai beau essayer de le faire sur tous les tons, et ce qui est plus grave, c'est que je ne suis pas sûr que ça passe non plus très bien, au moins dans les modalités qui permettraient de faire passer le message auprès des associations comme le Mouvement de la paix, les médecins pour la prévention de la guerre, etc., ICANN, IDN, abolition des armes nucléaires, ça ne passe pas. Il va falloir, à mon avis, faire preuve de beaucoup d'imagination chez les universitaires, chez les scientifiques, pour essayer de sortir de cette impasse. C'est une impasse. Aucune des injonctions que les associations ont pu lancer depuis des décennies n'a eu d'effet sur aucun des responsables politiques qui décident
de la possession d'armes nucléaires. J'ai aussi rencontré beaucoup de responsables politiques dans ma carrière, et le peu que j'ai pu discuter avec eux de cette question, c'est une sorte de fin de non-recevoir intellectuel. Ils sont, à mon avis, j'ai rencontré même mon député récemment, incapables de comprendre de quoi il s'agit. Et pire que ça, ils ne veulent pas le savoir. Les seuls qui s'y intéressent sont ceux qui sont directement concernés par la production des armes nucléaires pour X, Y raisons, qu'elles soient économiques, financières, institutionnelles, carriéristes, tout ce que vous voulez. Ceux-là le savent, ceux-là ont des discours qui sont entendus, et le pire d'entre eux, la dissuasion, ça fonctionne, le non-emploi est assuré sans aucune possibilité de ne pas être respecté. Donc les armes nucléaires, c'est un mythe, ça ne sert à rien, on dissuade. Mais je l'entends le soir quand j'écoute les émissions sur la guerre actuelle en Ukraine, j'entends des officiers généraux, des journalistes des commentateurs qui disent « heureusement, la dissuasion fonctionne ». C'est effrayant. Donc ce n'est plus la peine de passer ce genre de film au public, on n'y arrivera pas. Ce qu'il faut, c'est faire comprendre quel est le système nucléaire mondial actuel, c'est faire comprendre que les risques existent, c'est faire comprendre qu'il y en a déjà qui ont eu une certaine occurrence, et mobiliser le public. Et moi, je termine avec ça. J'ai beaucoup réfléchi à cette question pendant ma carrière militaire et depuis. La seule façon qu'il y a, c'est premièrement, c'est sur deux aspects, premièrement, nous-mêmes, comprendre que cette question est avant tout psychologique. L'horreur est telle, lorsqu'on se réfléchit à la question nucléaire, qu'on se défend naturellement. On refoule cette idée, on s'en protège. Les psychologues appellent ça la rationalisation. On rationalise, on dit « ça va, ça dissuasion marche », et donc on peut garder les bombes, elles n'exploseront jamais, ce qui est naturellement faux. Et la deuxième chose, je termine donc, c'est comment en sortir. D'abord en admettant ce problème psychologique qui frappe du président de la République, du chef de l'État, de n'importe quel État nucléaire, jusqu'au simple citoyen. Et deuxièmement, la méthode pour en sortir, au-delà de la prise de conscience psychologique, c'est le droit et la justice. Tant que des juges, je ne parle pas des scientifiques, je ne parle pas des militaires, tant que les juges n'auront pas dit le droit en condamnant les responsables qui programment, qui produisent, qui mettent en œuvre les armes nucléaires, en les condamnant parce qu'ils enfreignent le droit, contrairement à ce qu'ils disent, eh bien, rien ne se produira. Et nous resterons dans cette situation jusqu'à ce que la catastrophe nucléaire militaire se produise. Merci Francis. Donc Patrice avait levé la main. Oui. Présenter un test. Alors Patrice Richard, je suis le coprésident avec Abraham Béard de l'Association des médecins français pour la prévention de la guerre nucléaire, et nous sommes reliés au niveau international à l'IPPNW, qui est l'International Physician for Prevention of Nuclear War. Nous sommes tous des médecins, nous aimerions bien d'ailleurs accueillir d'autres personnes scientifiques, et bon, pour l'instant, on est un peu entre nous, mais il n'en reste pas moins que nous avons eu le prix Nobel de la paix en 1985, à la suite de l'action qu'on a fait en poussant Gorbatchev et Reagan à discuter tous les deux et de détruire environ 30 000 missiles de chaque côté. Ça, c'était quand même assez intéressant. Bon, voilà. Alors, ce que vient de dire Francis Lalanne m'intéresse parce Francis que… Francis Lalanne. Pardon, Lalanne.
Francis oui, Lane. Oui, pardon, je pensais à ce cher Lalanne, malheureusement. Bon, alors Francis Lane, merci. Il fait allusion, il se trouve que hier soir, sachant que j'allais me retrouver avec vous, j'ai dîné avec une amie psychanalyste et j'ai parlé de la question, exactement un peu dans les termes que Francis vient de dire. Elle me dit, mais c'est du déni. L'homo sapiens, quand il est confronté à quelque chose d'angoissant, il a deux solutions. Ou il part dans l'angoisse, il est malade, gravement malade, et ça se passe mal. Ou alors, il a des systèmes de protection psychologique qui met en place, une espèce de carapace et le déni. Donc, toute l'horreur qu'on a vue tout à l'heure sur les films, on la dénie complètement. Non, ce n'est pas possible, ça ne se passera pas, etc. etc. Alors, c'est très rigolo parce que nous sommes rencontrés à plusieurs reprises avec les dirigeants du ministère des Affaires étrangères. On se connaît bien, ils nous connaissent bien, etc. On se chauffe un peu de temps en temps dans des réunions. Et ils m'expliquaient exactement ça. Mais ces armes sont destinées à ne pas être utilisées. Ah bon ? Mais alors, pourquoi doit-on les moderniser à grands frais, comme vient de le faire Macron là récemment ? On ne peut pas dire que la modernisation de l'armement nucléaire français passe inaperçue dans les finances de l'État. On n'en parle pas, mais elles ont lieu. Il n'en reste pas moins que ça fait des bons trous dans le budget. Alors déjà, il y a ça. Et ensuite, c'est des armes dont si l'on sait aujourd'hui que c'est la destruction de l'humanité, et je le crois formellement, ou si ce n'est pas une destruction, ça sera un état de la Terre qui sera avec tellement de déficits et que les conditions de vie seront devenues atroces, que comment des gens sensés peuvent continuer à accumuler des armes et en parler? C'est pas possible. Donc, c'est qu'il y a un déni qui fonctionne. Et autre chose, parmi les grands poncifs, oui, mais vous comprenez, c'est la dissuasion. Ça marche, la dissuasion. Ah oui, ça marche? Ça marche à l'envers. Parce que quand il est question de fournir des armes à l'Ukraine, il y a Poutine qui dit « Attention, si vous donnez des armes à l'Ukraine, moi, je vous balance une bombe ». Eh bien, ça, c'est de la dissuasion, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on subit la dissuasion de Poutine. Alors, à quoi elle sert, notre dissuasion? Elle n'existe pas. La dissuasion est un leurre total, c'est un mythe qui a été inventé parce que la bombe française était considérée comme petite. On a déclaré bombinette. Ah ouais, mais elle n'est pas forte, mais elle suffit à dissuader. Voilà. On vit dans une espèce de mythe qui a été fabriqué autour de ça. Et puis, quand il y a mythe et que si on creuse un peu trop, on est dans le déni. Voilà. Yvan Lavallée, bon, puisque tu as été aussi, tu étais là en tant qu'initiateur d'un appel de scientifiques, donc enfin, à toi la parole. Oui, j'avais lancé l'appel des scientifiques pour la signature du TIAN, du traité d'interdiction des armes nucléaires, qui a eu un succès relatif. Et effectivement, la grande question qui est posée, c'est comment agir réellement. Alors, déjà, si on veut revenir sur le film, je ne suis pas sûr qu'il soit inutile, il ne faut pas rejeter les choses comme ça. Par contre, je pense qu'il est un peu trop long. Il est trop long, il faudrait peut-être quelque chose de plus bref et plus très percutant. Bon. Il y a dans le problème du nucléaire, ce que je vois, moi, c'est le problème de ce qu'on appelle les bombes atomiques tactiques. C'est le démarreur de la guerre, en fait. Et il me semble que jouer là-dessus, ce serait assez important, parce que si... évidemment, j'espère que ça ne se produira pas. Mais s'il doit se produire une guerre nucléaire, il est peu probable que ce soit tout de suite. Je sais, il y a un général là qui sait mieux, sans doute mieux que moi, comment ça résonne dans les états-majors. Il est peu probable que ce soit tout de suite une frappe massive. Je crois plus à une escalade progressive. À partir d'armes tactiques, on commence par des armes tactiques et après, comme on n'y arrive pas, on passe à l'échelle supérieure. Au général, je ne sais pas ce que vous en pensez. La notion d'armes tactiques est maintenant déniée dans la plupart des cas, si vous voulez. Certes, les journalistes en parlent encore, mais en France, on ne vous dira pas, il n'y a pas d'armes tactiques. Ça n'existe plus, les armes tactiques.
Alors évidemment, les Russes font mine de pouvoir les utiliser et d'en avoir. En fait, les armes tactiques, elles ont toutes à peu de choses près, peut-être à la moitié moins, mais au minimum, c'est la moitié d'Hiroshima. Donc, ça n'a rien de tactique et c'est totalement inutilisable autant que les armes nucléaires qui sont dites stratégiques. Donc, il ne faut pas utiliser cet argument des armes tactiques pour dire on commence par ça, parce que vous aurez immédiatement la réponse en retour. Nous n'avons pas d'armes tactiques, nos armes sont stratégiques et c'est ça la dissuasion. D'accord. Patrice, oui. Oui, rapidement. Il me semble avoir vu quelque part que les armes tactiques, la gamme de possibilités de destruction, était entre 300 kilotonnes, ce qui fait donc 300 000, plus qu'à 6 000, et 10 fois Hiroshima. Alors, si c'est ça, les armes tactiques, c'est se foutre du monde. En plus, on sait très bien qu'il n'y a pas un curseur qui va être réglé. Là, on fait péter celle-là, on la fait péter à 0,300, celle-là à 450 et 950. C'est complètement bidon. Je pense qu'en réalité, parce qu'en plus, on sait très bien, par exemple, je donne un exemple qui montre que ce n'est pas si facile que ça, même à concevoir. Quand la bombe d'Hiroshima a pété, la quantité d'uranium qui a été prise dans l'explosion n'a été que de 300 grammes, moins de 300 grammes. Parce qu'à peine l'explosion commence, l'explosif est dispersé. Donc, comment pouvez-vous imaginer quand... Alors, évidemment, on a imaginé des bombes où la pénétration des fragments était plus intime ou moins intime, de façon à ce qu'elle pète entièrement, pas entièrement, etc., etc. Mais tout ça, c'est complètement débile, et je suis d'accord avec le général. En réalité, je pense que cette histoire des bombes tactiques, c'est une manière de préparer le public à la bombe, en disant « Ah oui, mais elles ne seront pas fortes, elles pourront péter, on pourra le tolérer. » En réalité, c'est une manière de contourner les traités. Parce que les traités, ça emmerde encore beaucoup de gens. Et là, avec ça, en parlant des bombes tactiques, eh bien, on pourra utiliser des bombes nucléaires en toute sérénité. Les traités, non, c'est des bombes tactiques, ce n'est pas dans les traités. Voilà. D'accord. Moi, militairement, je n'y connais rien. Il faut reconnaître. Bon, mais de toute façon... C'est un discours qui a lieu, hein. Vous avez raison d'en parler, parce qu'on l'entend régulièrement. C'est une aberration, mais une aberration parmi les aberrations. Ma grande question, c'est effectivement celle que vous avez posée, c'est comment se faire entendre des décideurs. Parce que ce n'est pas nous qui pouvons... Bon, il faut qu'on intervienne comme on l'a fait, comme j'ai essayé de le faire. Mais comment arrêter cette production nucléaire et reculer, ça c'est le grand problème quand même. J'avoue il faut utiliser le droit. Ce sera un long travail, c'est par cet angle-là qu'il faut aborder le problème. Le droit international, il est bafoué tous les jours. L'OTAN. Oui, non, mais le droit est bafoué. Le droit international. Le droit est fait pour être bafoué, on va dire. Mais il y a une justice. Il faut obliger la justice à finir par se prononcer, ce qu'elle n'a pas encore fait jusqu'à ce jour. Il faut la harceler, et en faisant ce harcèlement judiciaire par le droit, on communiquera, on éveillera l'attention du public. Le public, il aime voir les gens condamnés lorsqu'ils commettent des infractions. Je ne sais pas si vous le savez, mais je vais vous quitter dans quelques minutes parce que je dois partir. Mais il y a un article dans le code pénal, j'ai noté parce que j'arrive jamais à me rappeler de son chiffre, mais je vais vous le citer de mémoire. C'est l'article 462.11. Cet article 462.11 du code pénal dit ceci. Vous n'allez pas me croire. Ouvre le guillemet. N'est pas une infraction le fait d'user d'armes nucléaires en situation de légitime défense pour la France. C'est-à-dire que le législateur, du président de la République jusqu'au parlementaire, a mis ça
dans le code pénal, sachant très bien que si jamais il y a un accident nucléaire, un tir par erreur, une dispersion d'armes, etc., il pourra se retrancher derrière cet article pour éviter Nuremberg, on va dire, pour faire simple, et reporter toute la responsabilité de cette catastrophe nucléaire sur ceux qui ont commis l'erreur de tirer cette arme, c'est ce qu'ils diront. Donc, le droit se dénie lui-même avec cet article qui est une antinomie, on appelle ça comme ça en juridique, alors que la légitime défense ne peut jamais être postulée a priori. Pour qu'une légitime défense soit jugée comme légitime, il faut que l'acte ait été commis. Or, après le nucléaire, il n'y aura plus de justice. Ça n'existera plus, comme vous l'avez dit. La civilisation, elle sera plus à même de juger qui que ce soit. Donc, il faut faire juger avant. Et il faut faire juger avant parce que ces armes nucléaires nous mettent en danger. Vous, moi, tout le monde. Voilà. Mes petits-enfants. Mais vous n'arriverez pas autrement que ça. Tous les arguments, et vous le dites vous-même, tous les arguments se heurteront au déni, à la rationalisation, aux obstacles industriels, aux obstacles financiers, aux obstacles géopolitiques, aux obstacles que mettent tous ceux qui sont intéressés par la poursuite de la construction de ces armes, pour X et Y raisons. Donc, je ne vois que cette solution, le droit en mobilisant le public. Et évidemment, comme vous l'avez dit, que les psychologues, les psychiatres, les médecins, les psychothérapeutes, aidés par les médecins et les scientifiques, démontrent qu'il faut croire à cette menace. Il faut sortir du déni. Je sais que ce sera difficile, mais ces deux actions simultanées devraient permettre petit à petit, je l'espère avant que la catastrophe se produise, de sortir de cette incompréhension. Évidemment, pas que pour la France. Évidemment, il faut le faire en France. On peut porter plainte qu'en France. Mais après, si on porte plainte en France et d'autres pays qui sont menacés, parmi les pays d'ailleurs qui ont signé le traité d'interdiction des armes nucléaires, eux-mêmes sont menacés, je suis persuadé qu'on arrivera à convaincre dans ces pays de porter plainte contre les États nucléaires. Maintenant qu'il y a ce traité d'interdiction des armes nucléaires qui est sorti, qui est entré en vigueur. Qui peut porter plainte Moi, vous déposez une plainte auprès du procureur de la République pour mise en danger de la vie d'autrui par la menace nucléaire permanente qui s'exerce sur chacun de nous. S'exerce sur chacun de nous à chaque instant. Il y a des sous-marins nucléaires avec des centaines de têtes nucléaires en permanence en alerte au fond des eaux. Vous avez des avions qui sont prêts à embarquer une arme nucléaire dans les 5 minutes sur un ordre. C'est ça la situation. La situation réelle avec des armes nucléaires prêtes à être tirées. Donc vous êtes mis en danger, on nous met en danger et c'est illégal. Il y a des articles du code pénal aussi qui disent que la mise en danger de la vie d'autrui, c'est une infraction, c'est de la délinquance. Mais personne n'ose parce que voilà, c'est comme le CICR, comme l'avait très bien dit Roland tout à l'heure, enfin oser parler des armes nucléaires, mais on rêve. Comment ça, le CICR a enfin osé ? Et depuis qu'ils ont pondu les conventions de Genève, qui sont intégrées dans les droits nationaux maintenant, pourquoi ne pas parler ? Mais c'est pareil, il y a une commission nationale des droits humains. Dans tous les pays, il y a eu une commission nationale des droits humains. La commission nationale des droits humains a encore entendu des responsables politiques au sujet des armes à fort rayon d'action. Jamais le mot nucléaire n'a été employé. Tout le monde a peur de l'employer pour des raisons politiques, parce que sinon on va affaiblir la France, on va la désarmer, mais c'est ridicule. Voilà. Donc on en est là. Donc encore une fois, et je vais vous quitter, je m'en excuse, agissez s'il vous plaît, à la fois sur le plan presque médical, à propos de ce déni qu'il faut démontrer, et agissez en droit, en déposant, chaque citoyen peut déposer une plainte. Évidemment, il faut que ce soit les associations qui le font. Moi, je prépare depuis 2016 ce genre de choses.
pour l'instant, les associations ne me suivent pas, parce que les associations aussi elles sont dans le déni, quelque part. Donc, voilà, préparer une... Ça a été fait avec l'affaire du siècle. L'affaire du siècle, ils ont réussi à obtenir la condamnation de l'État français pour non-respect de ses engagements contre le réchauffement climatique. Il faut faire exactement la même chose avec les armes nucléaires, c'est tout. Et puis pas qu'en France, il faut le faire dans tous les pays et à commencer en mobilisant les pays qui se refusent, qui ont signé le TIAN, et il y en a beaucoup en Europe. Voilà. Messieurs, merci, désolé de ne pas pouvoir... Merci Francis de ta proposition. Donc ça fait plusieurs années effectivement qu'on en a discuté, et il faut reconnaître que tu es persévérant dans ce que tu fais. Je sais que, d'après les informations que tu as données, il y a d'autres associations qui commencent aussi à penser cela, c'est-à-dire à mettre en cause personnellement les décideurs sur le fait que préparer un crime, c'est déjà un crime, et de se battre véritablement sur l'illégalité de l'arme nucléaire. Quand on regarde, il y a beaucoup d'arguments. Alors, effectivement, quand on en a discuté, et il y a eu cette bataille à moitié gagnée, à moitié perdue, qui a été la saisine du tribunal international, du tribunal de justice international, qui a dit que les armes nucléaires étaient illégales, sauf et il y avait voilà. Et donc on s'est rendu compte que, donc je crois qu'il faut les deux batailles, la bataille effectivement peut-être sur la question, comme tu dis, quasiment psychiatrique, psychanalytique, du déni, parce que effectivement et c'est là je trouve la force du film, c'est-à-dire quand on voit cette image à Washington de scientifiques et de politiques à l'époque du bloc soviétique et des Américains qui disent, on confronte nos résultats, on est d'accord, l'utilisation de quelques pourcents des armes nucléaires aboutit à l'hiver nucléaire, c'est-à-dire la possibilité de disparition de l'humanité. Donc ça, je trouve dans le film, c'est quand même fort, parce que ce n'est plus un discours idéologique, c'est quelque chose d'avéré par les gens eux-mêmes qui l'ont conçu, des États émanant d'États qui possèdent, par des scientifiques qui disent, oui, on est d'accord sur cet aspect-là. Quand vous regardez sur Internet, d'ailleurs, on vous dit que c'est une élucubration. Personne ne dit que c'est des scientifiques qui l'ont dit. On dit que c'est un truc qui a été imaginé, l'hiver nucléaire, et qui est complètement par des illuminés, en gros. Mais on ne parle jamais de ça. Bon, ce film, il a quand même eu le prix du meilleur, dans l'année où il est paru, il y a des, comme les Cannes, etc., il y a des prix des meilleurs films scientifiques. Il a eu le prix du meilleur film scientifique, car il ne passe aucun aspect par-dessous la table. Quoi, voilà. Donc, moi, je suis obligé de vous quitter. Oui, merci Francis. Merci, au revoir. Je pense que j'avais invité Francis pour qu'il puisse vraiment développer un peu son point de vue. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il y a l'action. Nous, on est confrontés véritablement à. On voit bien, actuellement, la France va consacrer en gros 60 milliards sur les 7 années qui viennent, mais c'est en gros de l'ordre de 130 à 150 milliards dans les 15 années qui viennent, si par malheur, ils allaient jusqu'au bout de leur folie. Et donc, on n'arrive pas, les organisations et les collectifs, etc., même si on a gagné le traité d'interdiction des armes nucléaires, qui est une grosse victoire quand même, il y a 90 États maintenant qui l'ont ratifié, mais les États qui ont des armes nucléaires ne l'ont pas ratifié. Par contre, on a quand même toujours l'arme du traité de non-prolifération qui est très fort. Il y a 191 États. Et donc, la France, en engageant une fois de plus la modernisation de ses armes nucléaires, même si elle en a bien sûr pas autant que les deux que sont la Russie et les États-Unis, viole allègrement le traité de non-prolifération nucléaire. Donc, je pense qu'on peut... L'action de sensibilisation, etc., est très importante, mais je crois qu'il a raison, Francis Laine, qu'il faut quand même s'attacher à la question de combattre ce déni qui fait que le réalisme politique en vient à nier qu'il y a un droit et on s'assied dessus. Quoi. Voilà. Je vois que Patrice meurt d'envie de parler. Vas-y, Patrice. Non, mais par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure sur la question du droit, le fait d'avoir l'arme nucléaire nous transforme en cible. Et c'est là qu'on met en danger la vie d'autrui. Alors là aussi, je ne comprends pas. Bon, ça, c'est un premier concept. Mais un autre truc qui me traverse l'esprit,
on avait 200 bombes à peu près. Macron passe à 300 à cause de la guerre d'Ukraine. Mais qu'est-ce qu'il croit ? À quoi ça sert d'avoir fait 100 bombes de plus ? Alors qu'on nous a expliqué qu'on ne s'en servirait pas, et que, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête ? Qu'est-ce qui l'a poussé à dépenser le fric, qui doit être colossal, pour en faire 100 de plus ? Moi, je commence à me dire, il y a certainement un... Enfin, il y a, bon, je ne suis pas innocent, il y a un lobby politico-militaire financier extrêmement puissant qui, sur l'arme nucléaire, pousse à fond. Il est évident que le Rafale de Dassault, c'est un avion qui va rapporter beaucoup d'argent à Dassault, maintenant c'est qui commence à se vendre, eh bien, il est chargé de porter la bombe atomique ou telle bombe, etc., etc. Plus on va dépenser d'argent sur l'arme nucléaire, plus il y aura des retombées sur toutes les entreprises qui y travaillent. Et je pense que ces gens-là ont une puissance de lobbyisme absolument colossale. Parce qu'on ne peut pas imaginer de dépenser du fric pour un truc dont on vous explique froidement que ça ne servira pas ou que si ça sert, on sait que c'est la fin totale. Mais c'est aberrant, c'est une aberration complètement illogique. Et on est dirigé par des gens comme ça. Non, il y a un lobbyisme financier derrière. Et je pense qu'il faudrait y travailler aussi et le démonter. Alors, il y a un type qui connaît pas mal de choses, c'est Ben Cramer. Ben Cramer, il met son nez dans toutes les affaires financières. Il faut lui demander un peu des trucs et il a certainement beaucoup d'idées là-dessus. Vous connaissez, non, Ben Cramer ? Oui. Oui, voilà. Yvan, tu veux dire quelque chose ? Non, je ne connais pas Ben Cramer. On a commencé à préparer un nouveau courrier aux élus en tant que mouvement de la paix qu'on va compléter. Alors, il cite deux ou trois personnes, le pape qui dit « la possession de l'arme nucléaire est immorale et criminelle ». Alors, certains nous disent « il ne faut pas parler de ça parce que c'est la moralité, etc. » Mais il faut peut-être rejoindre la question de l'illégalité et de la morale. Et de rappeler quand même que la violation, la France viole le droit international. Donc, ceux qui prennent la décision de le violer, effectivement, peuvent être condamnés. On rejoint. Alors, c'est pas. Il faut mettre, je pense, en place. C'est ce qu'a commencé à faire Francis, c'est qu'il faudrait réfléchir. Un panel de juristes de haut niveau qui acceptent de faire bénévolement. Ça s'est déjà fait. Peut-être avec l'aide de certains États qui sont engagés, par exemple, pour la promotion du Tian, hein, et donc qui puissent éventuellement et faire, voilà. Donc, mais moi, il y a des choses qu'il faut rappeler. Ben, le pape, moi, je ne suis pas croyant du tout, hein, alors du tout, mais je regarde ce qu'il dit, Hiroshima 2019, par rapport à nos dirigeants du G7 là, qui ont été à Hiroshima, c'est une honte, quoi. Allez, Hiroshima, vous savez pas si vous avez vu la réaction des Hibakusha, des survivants d'Hiroshima, qui sont outrés, quoi. C'est-à-dire de venir à Hiroshima, en fait, alors qu'ils sont tous les principaux, là, ils sont engagés dans des programmes de modernisation absolument dingues. Ils ont rompu les principaux traités sur les armes nucléaires, en particulier le traité ABM. Voilà. Donc le pape dit. La paix et la stabilité internationale sont incompatibles avec toute tentative de compter sur la peur de la destruction réciproque ou sur une menace d'anéantissement total. Elles ne sont possibles qu'à partir d'une éthique globale de solidarité et de coopération au service d'un avenir façonné par l'interdépendance et la co-responsabilité au sein de toute la famille humaine d'aujourd'hui et de demain. Ça, c'est ce qu'il a dit à Hiroshima. Et donc... Il appelle à construire une confiance, et il dit, entre les individus, les communautés religieuses, la société civile, les États dotés d'armes nucléaires et ceux qui n'en possèdent pas, secteurs militaires et privés et organisations internationales. Nous ne pourrons jamais nous lasser d'œuvrer et de soutenir avec une insistance persistante les principaux instruments juridiques internationaux de désarmement et de non-prolifération nucléaire, y compris le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et il en appelle à la responsabilité des leaders politiques, toujours à Hiroshima, convaincus qu'un monde sans armes nucléaires est possible et nécessaire. Je demande aux leaders politiques de ne pas oublier que ces armes ne nous défendent pas des menaces contre la sécurité nationale et internationale de notre temps. Et il conclut, il devient crucial de créer les instruments qui assurent la confiance et le développement mutuel et de compter sur des leaders qui soient à la hauteur des circonstances. Voilà, donc
je trouve qu'il faut rappeler aussi, et moi je terminerai par ce que disait Camus deux jours après Hiroshima, hein, devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. Et je pense quelque part que la loi de programmation militaire, eh bien, c'est aussi ça, notre intervention de société civile, d'appeler l'ensemble des responsabilités, des responsables politiques, à être à la hauteur des circonstances et de créer le rassemblement, et c'est ça le plus difficile, de créer le rassemblement populaire qui fasse que ces idées-là émergent et qu'on puisse peut-être, disons, aller dans le sens de ce que dit Francis Lane, c'est-à-dire de remettre sans arrêt les leaders politiques et les responsables politiques et le président de la République devant sa responsabilité en violant le traité de non-prolifération et surtout en ne prenant aucune initiative. La France aurait pu dire aujourd'hui, on propose un moratoire dans la modernisation et engager une bataille politique pour le respect du traité de non-prolifération nucléaire. Donc voilà, donc, je pense que, bon, si quelqu'un veut dire un petit mot de conclusion, on a en gros rempli notre mission qui était de lancer une réflexion à partir d'un film qui pose les vrais problèmes scientifiquement sur toutes les conséquences et tous les effets des armes atomiques et leur caractère illégal, dangereux, coûteux, militairement inutile et moralement inadmissible. Yvan ? Oui, il me vient par rapport à tout ce qui vient de se dire là. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'adresser aux groupes politiques à l'Assemblée nationale pour leur demander de déposer dans leur créneau, dans leur fenêtre, de déposer un projet de loi? On a fait exactement ça. On a envoyé une lettre de 8 pages à l'ensemble des parlementaires, un dossier très conséquent, et avec des propositions concrètes, et en demandant justement qu'un plan soit mis en place pour avancer dans le désarmement nucléaire, en application déjà de l'article 6 du traité de non-prolifération. Et on l'a fait relire par des diplomates et des juristes en droit international. Donc maintenant, on va renvoyer, on invite les citoyens à s'adresser à leurs élus, etc. Mais ben voilà, je pense qu'on fait notre travail de citoyen. Je suis d'accord. Maintenant, à chacun, on a même envoyé des propositions importantes, hein, en ce qui concerne les questions de l'économie, d'une économie pour la paix, puisque le président de la République a dit qu'il fallait se lancer dans une économie de guerre, non pas pour gagner les guerres d'aujourd'hui, mais pour gagner les guerres du futur, hein, en augmentant de 40% le budget militaire, etc. etc. Donc, on a fait des propositions, y compris celles qui sont comprises dans le livre blanc de la paix. On a travaillé aussi avec des syndicats et avec la CGT l'an dernier, un colloque sur l'économie pour la paix, voilà, il y a tout un travail à continuer et on est obligé de constater que le rapport de force, pour l'instant, c'est pas dans la… Les gens, je pense, il y a les sondages qui avaient été faits avec le journal La Croix, hein, il y a 5-6 ans. La question posée simplement, êtes-vous pour que la France s'engage dans une dynamique, enfin, s'engage dans un processus de désarmement nucléaire, 75% des Français ont répondu oui. La question, c'est que ça ne se traduit pas par 75% de gens qui sont dans l'action. Mais la question posée simplement aux gens, il y a l'article 6, le TNP qui prévoit le désarmement nucléaire, êtes-vous d'accord pour que la France s'y engage ? Eh bien, la réponse est clairement oui. Mais la question auquel on se confronte, c'est que les gens ne pensent pas que qu'ils ont la puissance suffisante pour qu'on y arrive. Il y a un référendum. Patrice, oui. Oui, rapidement, je voudrais dire deux choses. Il y a quelques années, avant une présidentielle, on avait fait une réunion, je ne sais plus très bien où c'était, où tous les partis avaient été sollicités pour s'exprimer par rapport au nucléaire. Et il y avait parmi ça les représentants des partis de gauche. Il n'y en a pas un qui a été contre. Le seul parti qui a dit qu'il n'était pas d'accord, c'était les écolos. Mais tous les autres partis, y compris les partis gauche, ont
continuer à persister qu'on avait besoin d'une arme nucléaire. Il y a un problème quelque part là. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est qu'être à gauche et lutter contre l'arme nucléaire. Il y a un hiatus, il y a un truc de pensée qui ne s'est pas passé. Bon, deuxième chose, je pose la question, c'est tout. Je vends ma soupe, pas longtemps. Fin novembre, j'espère pouvoir organiser à l'UNESCO une conférence qui sera orientée sur les 5 menaces de l'humanité. Tu connais Roland, hein? Oui. Ces 5 menaces, c'est le climat, deuxièmement, l'armement nucléaire, troisièmement, les pandémies, quatrièmement, les lobbyistes, parce que cela, vraiment, il commence à être ennuyeux, et cinquièmement, je pensais à la population de la planète, mais en fait, c'est lié, ça sera l'eau. Maintenant, on commence à en parler et ça va attirer du monde. C'est une espèce de conférence-débat qui va être surtout tournée par, vis-à-vis des jeunes. Évidemment, tous les partis, tous les membres de nos organisations sont invités, elles seront co-organisatrices si elles veulent l'être, leur nom sera cité, c'est surtout tourné vers les jeunes parce que c'est les jeunes qui vont se taper l'avenir qui se présente, et donc il faut quand même les sensibiliser. Et donc, si ça peut marcher, ça serait à l'UNESCO. Il y aurait donc un débat après chaque sujet discuté, et chacun des sujets serait présenté par des personnes, des personnalités du secteur. J'ai obtenu déjà l'accord au niveau du GIEC de madame, de numéro 2 du GIEC, madame Valérie Masson-Delmotte. Je suis en la recherche d'autres personnalités et j'espère que j'arriverai à trouver les 5. Voilà. Donc, ça serait pour la fin novembre. Merci. Sur certains aspects autour de ça, il y a une revue qui s'en occupe un peu, et notamment au plan écologique. C'est, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une revue qui s'intitule Progressiste. Oui, je note. Progressiste. Vous la trouverez sur Internet, elle est en libre-service. Ah, d'accord. Progressiste, Daniel. Avec un S à la fin. Bon, okay. Je vois pas de questions là. Je vois un débat qui s'engage. On va voir sur la loi de programmation, jugera les élus à leur vote. Hein. Donc, je pense en fait, que maintenant… Pardon. Oh, oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. C'était ça. Ah, d'accord. La parole, c'est Daniel Rocoul. Est-ce qu'on éventuellement on lui propose de poser sa question? On peut prendre oui, si elle veut prendre la parole, allez-y. Vous m'entendez? Oui. C'était juste pour demander cette lettre que tu évoques, Roland, oui, au pape, et puis la lettre dont tu parlais, qui a été envoyée au parlement, au groupe, oui, parlementaire, voilà. Est-ce que ces lettres, on les trouve sur le site du mouvement de la paix? Oui, sur le site du mouvement de la paix, vous allez sur la page des urgences ou des actualités. Christophe, tu peux expliquer, s'il te plaît, parce que c'est toi qui tiens le site. Oui, alors. Est-ce que si tu pouvais le mettre, peut-être. Je vais ouais, c'était il y a trois exactement que vous cherchiez. Il y a trois unes qui apparaissent quand vous allez sur le site du Mouvement de la Paix, et la troisième une est consacrée à la loi de programmation militaire. Vous cliquez sur le lien qui est en bas de l'image et vous avez accès à tous les documents qu'on a faits, des projets de lettres aux conseils départementaux, généraux pour attirer l'attention sur les conséquences sociales, etc., des coûts. Les lettres, le dossier qui a été envoyé aux députés, et demain on va transmettre sur nos réseaux une dernière lettre encore, en appelant toujours les comités à aller voir les députés et à envoyer leur courrier ou à faire des initiatives. La semaine dernière, nous en Bretagne, on était face à la base de sous-marins nucléaires de l'île Longue. On a fait en un mois rapidement, mais ce n'était pas l'idéal, mais parce qu'on ne savait pas quand est-ce que ça allait être discuté. On était quand même 300 devant la base, et donc on a fait la une du journal de France 3, Bretagne, ce qui veut dire plusieurs centaines de milliers de personnes. On est passé le lendemain sur Antenne 2, et on a eu quand même un article dans Ouest France, dont le lectorat en page régionale est d'à peu près 600 à 700 000 lecteurs sur les pages régionales. Donc c'est pas glorieux, mais c'est quand même pas mal, compte tenu que vous savez 80% en gros des médias appartiennent en France à un lobby plus ou moins assez proche du lobby militaro-industriel. Voilà. Absolument. Donc voilà ce que je pouvais dire
Bon, je pense qu'il y a un autre débat la semaine prochaine, à la fin de la... Oui, c'est ça, Christophe, tu peux dire la date, je ne me rappelle plus. C'est le 7 juin, je crois, pour regarder. Et on présentera le film. 7 juin, voilà, la bombe est nous, voilà. Donc, mais je voulais donner, il y a quand même ce signe d'espoir et le fait quand même qu'on a gagné le traité d'interdiction des armes nucléaires, qui n'est pas rien, mais moi je suis d'accord que, sur le, comme le disait le général tout à l'heure, se battre sur le plan légal, il faut que la dénonciation de l'illégalité du gouvernement français en matière d'armement nucléaire, comme les autres, hein, il ne s'agit pas de dire que le seul gouvernement français, et de faire en sorte que peut-être avec les autres organisations au plan mondial, on arrive à des journées plus importantes d'actions spécifiques, non seulement contre la guerre partout, mais aussi contre les armes nucléaires. Bon, je pense qu'on a rempli notre mandat. On vous enverra, si vous nous le demandez, le lien, si vous le projetez à d'autres personnes, je regarde. Donc, il y a le lien du film, il est à côté, et le lien, pour, voilà la page contre la loi de programmation militaire. Vous pouvez aller en cliquant sur « Discussion », vous avez les liens. De toute façon, tu vas sur le site. Oui, vous allez sur le site, hein. La troisième, j'ai dit la troisième une, et vous cliquez et vous avez tous les documents, les films, les tracts, les dépliants, etc. Bon, voilà. Merci, bonne soirée à tous. Bonsoir. Et merci à Patrice. Jacques Borde n'a pas pu venir parce qu'il avait des obligations dans le congrès scientifique. Voilà. Au revoir. Au revoir. Je vous laisse saisir les choses, voilà. Et bien sûr, je ne fais pas de pub pour le mouvement de la paix, mais ceux qui ne sont pas encore au mouvement de la paix, ils ont le droit, ou alors à l'association des médecins, s'ils sont médecins, ou des juristes, le tout étant de faire entrer le maximum de monde dans l'action.